Bonjour, je suis Dominique Niélez, professeur de guitare électrique au sein du conservatoire Cap-Atlantique. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter la guitare électrique que tout le monde connaît et qui fait partie de notre univers sonore. Je vais plutôt tenter de répondre à une question qu'on me pose très souvent. Quelle est la différence de jeu entre la guitare électrique et la guitare classique, puisque toutes deux sont enseignées au sein du conservatoire? La guitare classique, outre sa conception, sa forme, le son qu'elle émet et le répertoire qui lui est généralement associé, se caractérise principalement par la technique du jeu au doigt, qui va nous permettre de développer le côté polyphonique de l'instrument. A contrario, outre sa vaste palette sonore, ce qui caractérise le jeu de la guitare électrique, c'est la technique du médiator, qui est ce petit objet, qui va nous permettre d'aller soit vers le jeu soliste, soit vers le jeu rythmique, avec l'apprentissage des accords, pour accompagner par exemple un chanteur ou une chanteuse ou un autre instrument soliste. Ou bien encore de mixer le tout, par exemple, comme dans le morceau Edge de Jimi Hendrix. Voilà, j'espère que ces quelques explications vous auront permis de voir plus clair et surtout vous auront donné envie de rejoindre l'univers de la guitare électrique. À bientôt!